Et coucou les titounis, on est vendredi 31 mars, il est 10h06 et il va falloir que je m'en aille pour aller au rendez-vous du chef de service de Louane parce que je vous explique, hier en fin d'après-midi, j'ai reçu l'appel du chef de service du foyer de la petite. Il nous convoque urgemment sans nous expliquer la moindre explication par téléphone. Parce qu'apparemment, ça ne s'explique pas par téléphone. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, d'après ses dires. On n'a pas à s'inquiéter, il n'y a rien de gravissime. Louane n'a pas été hospitalisée. Elle n'a pas été à l'EMICO, donc c'est le psychologue. Il n'y a rien de gravissime, mais il ne peut pas nous les expliquer par téléphone. Enfin, c'est des choses qui ne se disent pas par téléphone. Donc, il nous a expliqué au téléphone qu'il avait essayé de joindre et qu'il avait réussi à joindre les personnes de l'ASE. Il a demandé à ce qu'elles puissent venir, elle aussi, au foyer La Blancarde pour justement discuter avec nous tous de ce qui se passe avec Louane, dont la chose dont on ne sait pas encore. Et d'après les dires du chef de service, l'ASE ne veulent pas venir. Donc j'ai dit, ah, et pourquoi ils ne veulent pas venir? Ben tout simplement parce qu'apparemment ça ne les concerne pas. Voilà. Donc, vous le savez que bien entendu, je marche toujours avec mes preuves. Là, je vais y aller. Je vais enregistrer, arriver là-bas. Bien entendu, mon avocate est au courant. Elle est au courant que j'enregistre la conversation. Voilà. Et ça me servira de preuve. Voilà, donc à part ça, tout va bien. J'ai essayé tant bien que mal de dormir, mais bon. Voilà. Bon, à part ça, changement de machin, hein, changement de sujet. Ouais, je suis devenue rousse. Voilà, je suis. Comment elle s'appelle l'autre? Fifi Brandassé. Bon, après, je me déséclaire, c'est ça, en esprit. Voilà. Qu'on me demande pas pourquoi, je sais pas pourquoi, j'ai voulu changer de tête. Moi, je trouve que ça me va bien. Voilà. On change un peu. Donc, voilà. Je vais au rendez-vous et je vous tiendrai au courant. Bisous! Je sais, un café avec du sucre. Madame? Oui, allez, je veux bien. Également, l'eau de cour? Oui, n'importe. Bonjour, oui, pardon. N'importe. Peu importe? Ouais. Bon, monsieur, court, long? Très, enfin, long, je ne peux pas faire plus long. Non, non, c'est énorme. Alors, allez, je vous apporte ça. Merci. Allez, vous voulez que j'étais seul? Non, parce qu'elles ne t'ont pas vu dehors. J'étais sur le côté. Je suis pour monsieur. Vous allez bien? Ça va, merci. Oui. Ça va. Merci beaucoup. Merci.
qualité. D'accord. Ah, si, c'est pas intéressant de faire ça. C'est quoi? Je dis oui, quoi. C'est juste quelque chose, pas plus, pas tellement de gens. Il était normal que je vous informe rapidement de choses nouvelles et c'était normal que je ne puisse pas vous le dire au téléphone. Oui, oui. Le téléphone, on ne peut pas tout se dire. Bien sûr. Ça n'est pas correct, hein, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de Louane. Oui, bien sûr. Bon, écoutez. Louane, nous l'avons mise à distance des mignons. Elle a encore agressé mercredi assez fortement Madame Cascalès, d'accord? Justine. Oui, Justine. Bon, donc Justine est en récupération. Louane, on l'a mise à l'écart des mignons pour un certain temps, jusqu'au 7. C'est-à-dire jusqu'à le 7, c'est le vendredi prochain. Hein, voilà. Donc sachez-le, voilà. Elle avait besoin, en tout cas, nous avions besoin de protéger les enfants et l'équipe. Après, et c'est Louane, hein, heureusement qu'elle ne fait pas 2 mètres. Monsieur la Ladine, mais attendez, je ne vous ai pas encore tout dit. Donc je vais dérouler, puis nous allons discuter tous les trois si vous voulez bien. Après, je vous avoue que je vous transmets plus des informations ou autre chose. Je peux être à l'écoute. Nous n'allons pas décider grand-chose aujourd'hui. Je ne vous cache pas, mais ça, Madame Etier, Monsieur Etier, alors entendez bien ce que je vous dis. Ce que je vous avais dit il n'y a pas longtemps reste vrai. D'accord ? Ça reste vrai. Non, mais. Oui, bien sûr. Donc il y a des décisions que j'avais évoquées comme possibles qui vont s'affirmer et nous restons sur la position qui a toujours été la nôtre ces derniers temps. Alors, entendez bien ce que je vous dis. Bon. Ouais, non, elle a fait tout que pendre. Hein. Elle a fait des bêtises, des grosses bêtises.
C'est même plus enfant, c'est quand même une ado. Aujourd'hui, ouais, 12 ans, c'est une ado. Hein. Mais c'est la plus ouais, bon, je le souhaite. Non, mais je n'aime pas le modèle. Elle ne le mérite pas. Oui, plus loin ne le mérite pas, même si franchement, je suis colère contre elle, mais bon, je ne l'ai même pas vue. Hein. Mais ça, voilà, bref. Donc les pompiers sont venus, il a fait deux adultes pour la séparer de Justine. Bon. Mais vous ne pensez pas que peut-être que Justine, de son côté, oui, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir. Quand des enfants sont accueillis depuis si longtemps, il y a un rapport qui s'induit, il y a un rapport qui s'instaure consciemment ou inconsciemment, il y a une projection. D'ailleurs, j'avais séparé Justine, n'était plus la différente des autres. Bien sûr. Mais bon, oui, ça, on avait appris par. C'était à Clavity Noir. Hein, c'était voilà, le nouveau ça. Référent de Justine. Oui, c'est. Algi, Atla. Atla, ah, oui, vous l'appelez Atla. Ah, enfin, oui. Non, mais je. Voilà. Donc, bon. Après, plus sérieusement, alors ça c'est grave, et d'ailleurs pour moi finalement c'est ça le plus grave, même si quand j'ai appris d'autres informations, je suis un peu tombé de ma chaise. Louane a eu des rapports sexuels. Voilà. Alors, bon. Pourquoi vous réagissez comme ça? Vous vous en doutiez? Bon, écoutez, alors moi je suis resté sidéré. Alors consenti, attention, parce que moi quand j'ai appris ça, je me suis inquiété. Consenti. Et consenti, alors, bon, il y a des adultes, mais bon, moi je suis resté, bon, j'ai eu terriblement peur, hein, parce que je vous rappelle qu'il y avait eu des évocations. Oui. Donc j'ai eu tout de suite très peur qu'il s'agisse de ça. Elle a été entendue hein, par M. Bouffard, par Mme Thébal, elle l'a dit clairement, consenti, et même, bon, elle était dans la pulsion. Hein, je ne vais pas vous le dire autrement, mais elle avait un désir incontrôlable. Ouais, alors c'est vrai que ben, c'est la nouvelle génération qui commence tôt. Nous, on ne commençait pas si tôt. Mais... la troisième lumière. Ouais. Les années. Oui, mais bon, monsieur Itier, le problème, enfin bon, libre à chacun, mais dans un endroit comme celui-là, c'est pas. C'est qui? C'est pas les meilleures situations. C'est qui? C'est des garçons. Elle a eu un rapport avec un ou plusieurs? Avec deux garçons. Bon. Donc on a entendu tout le monde. Les choses ont été très clairement dites. On en a informé la vieille. Voilà. Louane, on lui a donné la fille du lendemain, bien sûr, on ne sait jamais. Il y a eu une éjaculation, et pas d'autre. Après, bon, moi, à notre époque, on disait touche-pipi, c'est ridicule. Aujourd'hui, on parle d'actes sexuels. Oui, voilà. Donc, Louane a été entendue, elle a tout accepté, tout admis, hein, et de son propre chef. Madame Mathieu, ça ne s'explique pas. Je pense que, alors vous comme moi, mais vous encore plus, vous avez énervé, agacé, contrarié, déçu, je ne sais quoi. Vous le lui direz quand vous la verrez, mais je crois que vous le lui direz hein, en tant que parent avec vos inquiétudes. D'ailleurs, Madame Mathieu, je me souviens, monsieur Mathieu, votre réaction. Laisse à penser que on avait une crainte, mais aujourd'hui je crois qu'on a une crainte pour tous qui puissent le faire, mais on ne le souhaite en aucune façon. Parce que l'interdit, c'est en collectivité, donc j'ai envie de vous dire l'heure aussi, l'interdit était posé. Et c'est là-dessus qu'on le lui a dit. Je vous le dis, avec le contre-coup, moi ce qui m'a le plus finalement contrarié, c'est l'agression. C'est la violence. Voilà. Alors, je pense que, parce que la violence est venue un jour après. Et donc, nous ne le savions pas, hein, nous ne l'avions pas deviné. Hein. On l'a su que le lendemain, où un garçon est venu nous voir en nous disant les choses parce qu'il se sentait pas bien. C'est bien. Hein. Oui, ça s'est passé au foyer, madame. Pierre. Au foyer, oui. Bah oui. Ah, d'accord. Ah oui, ça s'est passé chez nous. D'accord. Hein, bah oui, j'en entends le bourreau. Ça s'est passé au milieu. Tu vois, je suis un bon papa pour ça. Vous l'avez pressenti? Oui, depuis que c'était prévu pour moi. Donc en fait, quand elle nous disait qu'elle s'entendait avec personne de l'union, elle
pareil. Pour moi, c'est des gamins. J'ai 33 ans quand même. Gamins, mais... Si je ne peux pas me saquer quelqu'un, je ne vais pas aller explorer mon corps avec quelqu'un que je n'aime pas. Pourtant, je lui ai parlé entre maman et fille. J'ai eu des conversations avec elle parce qu'à plusieurs reprises, elle nous parle. Quand vous faites le septième, moi j'aimerais bien avoir mon propre bébé plus tard. Oui, ben, le plus tard possible. Que je vais fumer, et puis tu me fais fumer. Parce qu'on on a les cigarettes à la maison, des fois on a dérivé, des fois je fume du CBD. Non, mais c'est légal, donc, de toute façon. Voilà, c'est légal à la maison. Donc, des fois, elle nous voit, mais on fume dans la cuisine. C'est très rare où je fume dans la salle à manger. Voilà, mais c'est très rare où on fume dans la salle à manger. De temps en temps, ça va nous arriver, mais sans plus. Et des fois, elle arrive. Tu me passes une cigarette? Tu me fais fumer? C'est une provocation pour moi, donc je m'amuse. Des fois, mon mari me dit, tiens, je te fais une roulée. À moi? Elle a des réponses à tout, en fait. Quand je parle tout seul, c'est à moi que tu parles? J'ai discuté avec elle à plusieurs reprises concernant son premier rapport, que je voulais qu'elle attende le plus tard possible, que je voulais que cet acte-là, on m'a déçu. Ça va lui marquer toute sa vie, parce que la première relation, c'est pas comme les deux, trois, quatre autres qu'on a par la suite. La première relation, c'est celle qui nous marque à vie, c'est comme le premier baiser, c'est celui qui nous marque à vie. Alors, ce que je peux vous dire, comme je lui ai dit à plusieurs reprises, je veux que cet acte-là, il soit réfléchi. Et je veux que ça se passe dans le plus harmonieux possible pour toi. C'est ce qu'on souhaite pour tous nos enfants, effectivement. Alors, ce que je peux vous dire, madame, parce que c'est important ce que vous dites là, et c'est important ce que je vais vous dire. Je crois que tous les trois, on ne convient pas que ça puisse se faire, parce que ça n'est pas normal. Par contre, dans l'amitié, il n'y a eu aucune violence. Ni de loi qui a assisté. Ça, je vous dis, c'est la police qui prend la charge. Oui, bien sûr, je ne suis pas un policier. Oui. Et non. Je ne suis pas un copain. Non, mais qu'il n'y ait pas eu de violence, je m'en fous de ça. Mais normalement, non, mais qu'il n'y ait pas eu de violence, je m'en fous complètement. Écoutez, déjà, non, mais parce que tout ça a été consenti. Donc, oui, c'est qu'il n'y a pas eu de violence. Donc, ça, je ne me mets pas Marcel en tête, ne vous inquiétez pas. Là où c'est que ça commence à prendre une tournure pour moi gravissime, c'est que je ne comprends pas pourquoi, déjà, dans un foyer qui a le plus de majorité de garçons, comment ça se fait qu'il y a une jeune fille prépubère sur la partie des jeunes ados, du moins sur la partie des garçons. Mais elles sont que deux, elles sont, oui, mais je suis désolée, mais elles sont que deux. Moi je connais les foyers, je connais des foyers où c'est qu'il n'y a que des filles. Ah oui, mais ça existe non plus. Hein. Enfin, moi je ne sais plus si ça existe, mais ça a existé par le passé. Là honnêtement, je ne comprends pas. Elle est prépubère, elle a. C'est comme un incident que je voulais voir avec vous, mais bon, pour moi, c'est à peu près minime. C'est quand elle est revenue à la maison avec son troisième trou des oreilles. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Loine, elle avait déjà ses premiers trous. Nous, avec la famille, on a donné notre accord pour que sa grand-mère maternelle puisse lui faire le deuxième trou. Donc, elle lui a fait ses deux trous. Il n'y a aucun souci, on a donné notre accord. Louane nous parlait il y a quelques semaines déjà pour qu'on soit d'accord ou pas pour lui faire le piercing au nez ou le troisième trou aux oreilles. Donc je lui dis, écoute, tu réfléchis bien parce que je te préviens, ça fait mal. Voilà, le nez, ça fait mal. Et puis même, tu es encore un peu jeune, moi je l'ai fait à mes 13 ans, donc tu as encore le temps. Deux trous, je veux bien, mais le reste, on attend encore un peu. Je la vois arriver le week-end dernier, donc le week-end dernier, et elle m'a dit « Maman Robert ». Donc elle avait qu'un trou, j'ai percé, pas le deuxième. Donc elle a pris deux glaçons, elle se les a mis à l'oreille. Et elle s'est percée d'elle-même. Elle s'est percée d'elle-même et il y avait la maîtresse de maison qui s'est percée elle-même aussi les oreilles. Donc comment ça connaît qu'elle l'ait fait avec la maîtresse de maison, c'est impossible. Je vous rapporte les dires de Louane. Oui. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, non, mais attends, je t'ai repris la maison ou ça se passe comment? Je mets maman au feu, madame. Donc, elle m'a dit, je te jure, maman, parce que ma mère, elle s'est cassée les oreilles. Mais je ne vais pas savoir qui c'est ce jeune. Les amis. Oui. Mais vous savez, enfin. Ah, mais je vais. Oui, non, mais entendez bien ce que je vous dis. Alors,
pour en revenir à la situation. Il ne s'appellerait pas Timéo, par hasard? Parce que Louane nous a dit qu'à l'époque elle était avec comment il s'appelait là non pas Gabriel parce que lui il faut qu'elle ne peut pas se voir bon c'est pas elle avait un premier amoureux au collège que j'ai pu croiser sans lui parler et récemment il y a un mois à peu près ça va faire un mois qu'elle nous a dit qu'elle n'était plus avec lui. Bon, elle n'avait plus envie de le fréquenter. Et elle fréquentait un autre petit jeune qui s'appelait Timio. C'est pas ça. En tout cas, je pense qu'il y a deux choses qui pour vous entendre. C'est après Hubert, la mère qui inquiétait, mais l'amitié vous inquiétiez. Honnêtement, c'est notre travail. Hein. Alors, bien interpellé un peu. Excusez-moi, le téléphone, quand je vous dis, je sais ce que je vais prendre. Oui, mais je ne pensais pas que vous le pressentiez sur quoi. Et je vous explique. Bon, après, ça. Oui, excuse-moi. Je vous dire que c'est oui, oui, dépend. Quand je suis revenu dans le quand j'ai expliqué au maire de mon secteur, parce qu'il ne faut pas dire autre chose que ça, le regard dans les yeux, c'est très important. Ça, il a fait le problème. La revenu dans les yeux, quand je suis, ça, c'est bien. Et moi, ce que je sais de moi, c'est que je sais déjà d'avance prévenir les choses. Bon, je pense que c'est une image. Je savais que c'était ça. Vous le sentiez, il y a autre chose que tout ça. Alors, pour en revenir à Louane, hein. Bon, Louane, alors, moi, je ne suis pas à sa place. Bien sûr, bien sûr. Et vous la verrez, vous entendrez. Moi, je vous invite à en parler tranquillement avec elle, ma mère, c'est tout ce que vous voulez. Je ne sais même pas si vous devriez avoir une troisième personne avec vous ce jour-là. Je ne sais pas si vous avez un médecin clinique, j'en sais rien. Oui, oui, oui. Il faut voir loin sur la question de sa pulsion et de ses désirs sexuels, puisque quand même, franchement, elle a été elle les a titillés, hein. Oui, oui, et puis ils ne voulaient pas. Hein. Mais ils ne voulaient pas. Mais peu importe, ça a été consenti par les enfants. Mais bon, quand même. Alors, est-ce que c'est la titille? Est-ce que c'est la première fois? J'en sais rien. À sa place, nous, on a appris ça. Hein, et bien sûr. Parlez-en avec elle, comme vous l'avez fait, et soutenez la chose. Non, mais il y a juste le rapport sexuel. Il y a eu. Alors, il y a eu le rapport sexuel, mais très bref, d'enfant ridicule, hein, parce que. Ben, si vous êtes pas ridicule, ben, une microseconde. Hein. Pour vous dire, parce que ce que j'ai appris, c'est que c'est tout bruyant. Ben oui. Non, mais c'est des jeunes. Ils doivent avoir quoi? Ils doivent avoir quoi entre 12 et 14 ans? C'est normal. C'est des petits chats et qui n'ont. Les garçons n'avaient pas eu. Oui, donc franchement, pour un. Du coup, Louane, de ce que l'on m'a dit, a juste posé, a baissé son pied. Je veux dire, ils ne se sont pas dénudés, ils se sont pas touchés comme un couple. Enfin, c'est rien tout ça, quoi. C'est furtif. Oui, oui. Quand même, nous, à la maison, on ne fait rien de. Ah mais ça y est. Non, mais même nous. Si vous saviez, puis moi. Ah oui, non, mais même nous, à la maison, je veux dire, nous, de temps en temps, on va se titiller tous les deux. Oui, elle n'est pas là. Non, mais elle n'est pas là. Oui, je veux dire, elle n'est pas dans la. Elle n'est pas dans la même pièce. Le soir, quand on va se coucher, oui, il n'y a rien du tout. Et on fait bien comprendre à Louane. C'est tous les enfants qui vivent. Mais la morale qui le prend encore. Mais ça, on en parle et puis on s'en fout. Vraiment, c'est normal. Moi, je lui explique à Louane. Ça n'a rien à voir avec la maman. Il n'y a pas de fellation. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher? Et alors, ben quoi? Je mais demande, normal, non. Elle te dit, non. Si elle était capable d'écarter les cuisses, excuse-moi, mais ma foi, elle a fait quoi? Elle a fait une pipe? Elle a fait quoi? Elle a fait une branlette, ma foi? Je sais pas. Je suis pas Dieu, je suis pas. Non, mais alors, à nous, à la maison, elle fait le bébé. Je vous le dis très clairement. Ouais, à ça, nous, c'est à fait le bébé. C'est une histoire bipolaire, tout ça. Il faut être face, il ne faut pas être comme ci, comme ça. Elle fait entre guillemets le bébé, mais au final, elle est dévergondée, quoi. Oui, mais vous, madame Thier, vous le sentiez, vous me disiez. Je le sentais, mais je voulais pas y croire. Pour une fois dans ma vie, je voulais me tromper pour ça. Alors, les parents, alors, je suis pas content. Tout à fait normal. Oui, mais pourtant, je pouvais être autrement que ça. Non, mais vous voyez, mais je peux encore aller au-delà de ça.
dire. Ce que je suis en train de vous dire, monsieur, oui. C'est que bientôt, surtout, je ne sais pas dans quel contexte, vous allez voir votre fils. On va pas venir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non, qu'est-ce que je vous ai dit en introduction ? On l'a éloigné de l'Union, donc elle ne va pas venir aujourd'hui. Et vous n'allez pas la voir ce week-end. On l'a éloigné de Marseille. Ça, on n'était pas c'est pas que Marseille. Ah, c'est pas Marseille, bien sûr. Voyez quoi, la GE, on ne va pas la prendre. On ne va pas la mettre ailleurs comme ça. La GE, c'est pas d'accord, donc en fait, il va falloir que j'attende le week-end prochain, probablement, pour avoir une discussion avec ma fille de ce qui s'est passé il y a deux semaines en arrière. Ça s'est passé cette semaine. Hein. Ah oui, mercredi, on l'a éloigné. Au domicile de chez nous, en fait. Et la semaine, donc ça s'est passé, je pense, jeudi. Mercredi, vient te dire tout. Elle est venue chez nous vendredi. Nous l'avons. Donc rien à voir avec vous. On est parti dimanche. Dimanche, d'accord. Donc mercredi, il y a eu l'agression du Steam, on l'a éloigné. C'est quoi déjà l'agression ? Est-ce qu'il y avait des armes ? Est-ce qu'il y avait des choses ? Non, agression physique. Non, heureusement. Par pitié, bon, non, il n'y avait pas d'armes. On va essayer de se passer encore avec le Steam. Bah, elle a agressé, enfin, il faut bien comprendre. Elle lui a arraché les yeux, elle a griffé, elle a mordu, mais apparemment, enfin, elle avait le dessus, quoi. Je ne comprends pas comment le voit. Des fois, que... Lycée, après, je répondrai à votre question. Moi, je suis quelqu'un de bien. J'en doute pas. Très bien. On peut raconter ce qu'on veut sur moi. Je crois que à 44 ans, jamais vu de chat dans ma propre vie. Je me dis quand même pour le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là, je serai déjà là. Et la zone, dans tout ça, il dit quoi ? Désolé, je peux répondre. Oui, bien sûr. Alors, ma amitié, plusieurs infos importantes pour moi. Donc, je vous ai dit, elle est bien, elle est dans une, auprès d'une personne qu'elle connaissait déjà. Donc, elle n'est pas auprès d'un étranger. Mais elle va revenir parce que déjà, elle le sait. Donc, entendez bien ce que je vous dis, et c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Le 7 à Grosjean, Le 7 avril. Oui, vendredi prochain. On est vendredi. Excusez-moi, je suis détaillé avec ce qui s'est passé. Donc, vendredi prochain, Grosjean, Marseille. D'accord ? Donc, ça, je vous le dis parce que je pense que vous auriez intérêt d'appeler ensuite, comme vous souhaitiez le faire hier, appeler votre avocat. Donc, le 7 à Grosjean, Marseille. Le 7. Je vous donnerai de ces nouvelles, d'accord, pour vous dire où elle se trouve, hein. Elle ne retournera pas chez le mignon, je vous dis tout de goût, hein. Oui, déjà en soi, donc oui, et puis il y a ça qui est fait ça suffit, bah, oui, je pense sûr. Qu'elle y a plus sa place, elle nous l'a dit de un milliard de façons, et là, on ne peut pas consentir à ce qu'elle a fait, mais même, attention, ça craint, mais après je me suis dit, après j'ai dédramatisé. Après vous, en tant que parent, oui, inquiétez-vous de votre fille, de comment elle va grandir, de ce qu'elle veut, de comment elle s'émancipe pas trop vite, etc. Donc, vous, madame Thier, oui, vous verrez votre fille incessamment sous peu. Pas digérer l'info, parce que ça fait beaucoup à digérer. Moi, c'est quelque chose que digérer l'info, faites-en ce que vous pouvez et ce que vous voulez, et vous en parlez avec votre fille qui, pareil, elle prend du recul. Bon, c'est une note, hein, la boue, oui, c'est des choses. Mais... Et du coup, quand elle viendra, de l'eau se sera un peu écoulée et vous pourrez en parler. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle est en danger. D'un point de vue de santé, on a été obligé, même. J'ai une de lui donner la fille du nom. Bien sûr, parce qu'elle a fait. Ah oui, elle a fait, non, avec une infirmière. Bon, après, on va pas. Voilà. Bien sûr, mais je pense que c'est pas non plus sotte, hein. Mais, voilà. Ah, pour vous dire, il y a un garçon qui est venu le lendemain voir son ventre. Oui, oui. Déjà imaginé, oui, bien sûr, mais vous dire comme ils sont bêtes. C'est le pire quoi. De ouais, ils sont bêtes, l'émotion de la pensée. C'est... Oh, c'est... Ouais, enfin, on ne sait jamais rien. Pas grand chose. Ouais. Et du coup, alors la ZE, nous les avons informés. Après, nous souhaitions pour tout vous dire que nous le fassions ensemble, ils n'ont pas le souhait. Voilà. C'est ça que je voulais dire au téléphone. Alors que ça nous paraît important et jamais d'aller. Et puis pour moi, le pire, c'est. Ça aurait été que vous l'appreniez autrement que de nous-mêmes. Quoi. Et à partir de là, madame Mitié, il y a des choses qui vont découler de ça. Hein. Mais vous verrez. Je pense que vous
pouvez pressentir des choses. Bien sûr. Mais vous voyez qu'en tant que papa, ce que je vous disais, c'est que vous avez envie de me dire tout ça. Mais c'était ponctuel et actuel, parce que je savais comment c'était. Il n'y a pas pire que l'agression, il n'y a pas pire que la prison et des actes. Parce que je suis un papa, je sais tout ça. Et je savais déjà que c'était parti pour. Donc plus que ça, je me fais mon idée moi-même. Ouais, toi, t'as fait des putes, quoi. J'ai pas dit. Mais non, mon papa. Tu savais, tu en avais déjà le pressentiment qu'elle allait le faire. Mais c'est pas une question de ça. Les questions à ma réponse, c'est je dis, je fais, je parle. Gentleman. Moi, j'avais là, vous êtes en. Juste pour que je comprenne, hein, vous êtes en train de me dire que Louane est en capacité. Mais c'est attention, hein, c'est pour que vous, parce que moi, je ne serai plus en relation avec vous. Vous dites que votre fille a la capacité de le penser, de le dire et de le faire. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une forme de. Bah, qu'on est jeune, on ne fait pas tout, heureusement, parce qu'on se préserve. Oui. Vous êtes en train de me dire qu'elle s'autorise beaucoup de choses. Ben, toute seule. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de. Voilà. Une fois que vous avez dit ça en tant que parent, quoi ? Alors, je peux vous poser une question ? Bien sûr, vous voulez. Louane, vous aimeriez qu'elle rentre à la maison toujours ? Ben, je pense que oui. Je vous pose la question, mais. Oui, bien sûr. Mais parce que ces questions-là, c'est des questions que vous avez prises à la choisir. Je ne comprends pas souvent. Pourquoi elle fait ça à l'extérieur, parce qu'à la maison, elle ne bouge pas. Vous. Non, mais je crois qu'on est motivé. Elle bouge pas le week-end. Alors, si on lui dit, Louane, tu vas aller un peu chez les grands-parents pour la journée ou pour passer une nuit, quand même qu'elle n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais c'est pour un peu qu'elle voie un peu autre chose que la maison. Parce que quand elle est à la maison, elle bouge pas. Toujours pas. Elle est sur la télé. Ou coup, la chaîne 14, là, des gamins, regarde les dessins animés. Puis après, elle va aller dans sa chambre, elle va jouer un peu à la Game Boy, après elle va un peu faire ses dessins, et puis après, bon maintenant il n'y a plus de slime, parce qu'on a fait une catastrophe toutes les deux, les machins slime, collants, on a fait une catastrophe toutes les deux, j'ai la vidéo. Hein. Ou sinon elle va faire ses dessins, plus long que ça ? Non, ah, je ne peux pas plus. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Je ne comprends pas. La maison, elle ne bouge pas. Vous allez manger un peu ? Non, mais je vais prendre mon traitement. D'accord. Enfin, bon, que je dois prendre. Mais voilà. J'arrive. Hein, oui, mais je ne comprends pas. Avec lui, le week-end, elle ne bouge pas. Quand on lui dit, tu sors un peu avec nous. Vous aviez pensé à vous quand vous étiez jeune et quand vous étiez chez vos parents, ce que vous vous permettiez à la maison, ce que vous permettiez dehors. Mais attendez, moi, à 12 ans, excusez-moi. Moi, j'ai commencé. C'est pas la même génération. Moi, ma première relation, j'avais 13 ans. Non, mais je ne parle pas de sexualité, forcément. Hein. Non, mais moi, ma première relation, j'avais 13 ans. J'étais avec une seule personne. J'étais pas avec deux. Il n'y avait pas du désir. C'était que mécanique. Hein. C'était une question. Mais justement, même par pulsion, pourquoi elle avait agi comme ça ? Moi, je vous dis. J'arrive, hein. Allez-y. Il n'y a pas tout ça. Cauchemar. C'est pas ça, c'est que. Et la zone. Non, il ne peut rien faire. Non, il ne peut rien faire. Ah, il ne peut rien faire.
Maëva, il ne peut rien faire. Alexia, il ne peut rien faire. Lélou, encore moins. Monsieur a répondu, vous n'avez pas vraiment répondu, mais ça c'est une décision qui vous appartient, hein, la question que je vous posais tout à l'heure, enfin qui vous appartient. En tout cas, si vous ne le vouliez pas, Louane ne pourrait pas s'imposer à vous, hein, quand vous disiez, désirez-vous que votre fille rentre à la maison. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est même au-delà de nous, hein, Canopé. Par contre, ces questions-là, ma d'amitié, aujourd'hui, alors hélas, hein, c'est pas très agréable, mais ce sera aussi vrai probablement demain et après-demain sur d'autres situations. Sa première clope, voilà, ses premières conneries supplémentaires. Voilà. Mais, et qu'elle ne le fasse pas la maison, tant mieux. Pourquoi on m'a pas prévenu le jeudi ? De quel jeudi me parlez-vous ? Je ne sais pas, apparemment ils ont appris ça mercredi. Mercredi, elle s'est bagarrée avec Justine, ils ont appris ça le lendemain. Pourquoi on m'a pas prévenu le jeudi ? Madame Etienne, je vous ai appelé hier. Par contre, le foyer... Je vous ai appelé hier. Non, mais parce que le foyer, je ne veux pas qu'ils s'en mêlent. Non, mais il faut les appeler. Oui, mais ça s'est passé au foyer. Normalement, on aurait dû m'avertir. Non, madame, enfin, ne serait-ce que Louane n'est plus sur la structure du foyer. Oui, mais ça s'est fait dans l'urgence. Enfin, Louane est, est agressive. Les pompiers arrivent, on la sépare. On ne va pas... Oui. C'était pourquoi ? Ben, c'était parce qu'il y avait une urgence. Ça s'est passé entre elle a fracassé Justine. Non, mais... Une éducatrice, la maîtresse de maison, il n'y avait pas 30 000 personnes. Pourquoi les pompiers, pas d'autres personnes? Les pompiers. Alors, quand un enfant est en crise, souvenez-vous, Louane, il y a quelques mois de ça, elle, d'ailleurs, vous aviez été, elle était hospitalisée. Elle avait une crise qu'on appelle. Ce n'est pas des crises très importantes, mais ça arrive souvent, les enfants placés qui cassent leur chambre. Ils appellent ça, je ne sais plus, c'est un terme. Hein, de... pas médical, mais c'est une crise de violence, d'énervement, ouais. Et donc les pompiers étaient venus, ils l'avaient mise à l'hôpital. Quand des enfants sont dans ce stade de violence, soit loin ou d'autres, hein, nous appelons les pompiers, c'est le protocole. Ils sont formés pour ça, et eux ils estiment, bon ben, la mère, on t'amène à l'hôpital, ou on te laisse là, ça va, tu t'es calmé, hop, et ils repartent, je crois que l'enfant est calmé. Et donc ce jour-là, au vu de ce qui s'est passé et de ce que nous avons appris par la même occasion, ben, nous avons mis à distance. Et donc moi je vous ai appelé le lendemain pour vous informer de ça. Mais vous savez, ça s'est passé tout ça dans l'après-midi, parce qu'après il faut l'amener. Oui, ben, elle n'est pas à 5 mètres. Hein. Voilà. Donc là où elle est bien, elle ne manque de rien. L'équipe, ben, on leur a dit, vous, c'est pas à vous de le faire, sinon ben, vous auriez été très énervé et encore plus. Et vous auriez pu réagir sur l'instant, quoi. Alors que là, on s'en parle calmement, et après, vous allez réfléchir, et vous allez réagir comme bon vous semble. Quoi. Sans surréaction. C'est pour ça, l'amitié. Il n'est pas toujours bon de faire action-réaction, parce que des fois, ben, on n'a pas le temps de garder son sang-froid. C'est tout. Et ça n'aurait rien changé. Bon, de toute façon, quoi que je dise, maintenant c'est fait. Hein. Bah, je ne peux pas parler à Louane, hein. Je ne peux même pas avoir une explication avec elle, même par téléphone, hein. Vu qu'elle est à l'autre bout de je ne sais pas d'où, là, non, en dehors de Marseille. Bien sûr, bon, il n'y a pas besoin qu'elle ne revienne pas, parce que là, je ne peux pas. Non, elle revient le 7. Le 7, elle revient. Pas avant, parce que. Mais le 7, ça laisse une semaine de battement, ça permet de vous informer. Vous savez que je suis important, elle ne dit pas comment on peut. Je l'ai inscrit de partout, je l'ai inscrit sur un peu social. Ce que vous m'avez dit, je me rappelle. Ouais. Voilà.
personne qui nous suit dans cette vie. On vous a permis ça. On vous a proposé avec lui. Ouais, mais ça, je m'en fiche. Non, mais j'ai expliqué quand elle est à la maison. Je m'en fous. C'est même pas vrai, c'est même pas payant. Arrête tes conneries. Ah, c'est pas payant. J'arrête mes conneries. On l'a emmené une fois. Pas obligé de faire une maison. On l'a emmené une fois à la maison de la solidarité, c'était pour récupérer des colis, et on en a parlé pour les vacances, parce que c'était sur la période des vacances. Donc la première fois, il nous avait passé un calendrier avec différentes activités qu'il y avait, dont le Frioul, le parc Borély, etc. On lui a proposé si elle était d'accord, et devant la femme, elle a dit « Non, je ne veux pas y aller ». Donc on lui a dit « Mais vas-y, pourquoi pas, ça te ferait du bien, tu vas pas tous les jours, vas-y, là où c'est que ça te fait du bien ?»« Non, je ne suis pas prête, j'ai pas envie ». Voilà. Donc, une fois, ok. Après, nous-mêmes, toi et moi, on s'était dit, on ne l'inscrit pas tant qu'elle ne prend pas la décision. Ça ne sert strictement à rien, parce qu'après, on va être frustré parce qu'on l'aura inscrite à quelque chose et elle va se sentir obligée d'y aller. Et je pense que déjà, elle se sent déjà assez obligée de faire pas mal de choses quand elle est sur la structure du foyer. Donc, on va montrer on va prendre une autre stratégie pour voir, pour détourner le machin et pour l'inciter à faire des activités, mais en douceur. Sauf que pour l'instant, elle n'est toujours pas prête. Au domicile, elle veut rien faire. Moi, je voulais te dire un instant. Même les autres week-ends où c'est qu'elle vient à la maison. C'est presque un supplice de la prendre avec nous et de sortir avec elle. Maintenant, elle commence. Parce que vous sortiez des fois ensemble tous les deux. Pas tout le temps. Ah non, puisqu'elle a fait, je peux vous dire que je ne vous dirai pas. Parce que là, j'ai pas eu de faire frapper. Elle tape dessus. À plusieurs reprises, quand mademoiselle, elle avait les cacahuètes à l'envers et qu'elle décidait. Qui n'a peur ? Trois personnes sûrement. Je lui dis c'est. Et qu'elle décidait, non, je ne veux pas qu'on m'accompagne à l'arrêt de bus. À deux, trois reprises, elle a dit devant l'arrêt de bus, lâche-moi, t'es pas mon père. Bon, ça se voit quand même que c'est son père. Bon, je suis assez connu avec beaucoup de personnes. Mais il y a deux couillons, se sont arrêtés, qui n'ont pas fait attention à la, la ressemblance et qui ont dit, comment, qu'est-ce que tu veux faire toi, la gamine Ah bon, ils ont eu peur. Bon, oui. Donc j'ai une discussion avec Louane, effectivement, elle m'a dit, oui, c'est vrai. J'étais en colère, j'ai dit ça. J'ai dit, mais pourquoi tu as dit ça? Tu te rends compte des répercussions qu'il peut y avoir? Mais j'ai pas fait attention, le fait. J'aurais dit quoi, au jugement? Je ne dis pas que c'est tout rose. Mais le week-end dernier, oui, honnêtement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de crise. Elle mange à sa fête. Je ne sais pas si vous avez des échos de ça. Non, elle commence à rire avec son père. Même son père, quand il raconte une connerie, elle vient me voir, elle me dit... Elle rentre dans la connerie de son père, donc ça leur fait une complicité Voilà, ça leur fait une petite complicité. Et puis moi, je vois que ça commence à aller mieux entre le père et la fille, donc je les laisse tous les deux. Alors oui, comme là, patatras. Et d'ailleurs, souvent, ça fait patatras. Mais franchement, depuis l'époque, le dépôt de plainte, le dernier, où vous l'aviez paramé, mais on s'en était parlé tous les deux. Je trouvais que ça allait un peu mieux chez toi. Je disais, bon, peut-être qu'elle a capté Louane, hein, je ne sais pas. Je disais, bon, allez, j'arrête mes conneries, après, je respecte. Je respecte. Franchement, enfin, Louane à la maison, moi, j'en sais rien, hier, vous m'avez dit ça, et franchement, on la sentait un peu mieux. Ouais. Enfin, c'est ça qui me dit. Moi, j'ai eu une conversation avec elle suite à son comportement au collège. Oui. Elle s'est encore fait virer. Oui. Suite à la globalité générale de ce qui se passe au foyer et le comportement qu'elle peut avoir, des échecs qu'elle met en place elle-même toute seule par rapport à la possibilité d'avoir le placement à domicile, même si on sait très bien qu'il y a 300% de chances qu'elle revienne à la maison, parce qu'il n'y a plus personne qui la veut. Donc, je ne sais pas, très honnêtement, c'est que les dires de ma fille. Après, est-ce qu'elle ne me dit pas ça pour essayer de m'amadouer que si elle agit comme ça, que si je regarde bien en arrière, il y a quelques mois en arrière, avant que j'accouche de Oana et quand j'ai mis au monde Oana, que j'allais la chercher au collège, etc. Il faut que je me rappelle quand même que Oana était bien, qu'elle
qu'elle recommençait doucement à aller en cours. Alors, elle n'allait pas forcément à tous les cours, comme elle me l'a dit elle-même. Mmh, j'allais pas à tous mes cours, mais je recommençais à aller en cours. J'étais contente quand tu venais me chercher, qu'il y avait Wana, quand tu venais me chercher ou que tu venais me raccompagner avec papa, même quand tu n'avais pas papa. D'accord. Je crois qu'il prend la chute. Je ne sais pas si elle dit ça, que son comportement, il se dégrade du fait que Oana n'est plus à la maison. Merci. Et qu'elle a pris comme une trahison, comme elle m'a dit, ce que la juge lui a dit. Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est que quand Louane, elle est passée avec moi le 13 décembre, à la juge des enfants, la juge, Madame Tison, elle a bien dit à Louane, « Bon, je t'accorde les week-ends, les vacances, ce qui te permettra de voir et de passer du temps avec ta petite sœur Oana. » Oui, quelques temps après. Quand je suis passée devant la juge pour Oana. Ouais, elle le payait, elle le faisait charmant, mais même presque. Oui, mais je pense que moi, est-ce que je dois culpabiliser de tout ça pour m'obliger de suicide? Hein? Est-ce que je dois culpabiliser de. Moi, je de tout ça. Est-ce que c'est. Mais, est-ce que c'est un revers de la médaille? La culpabilité, je vous dois les deux, ne vous servira à rien. Non, parce que très honnêtement, bien, il a fallu que je fasse écouter l'enregistrement de mon avocate à Louane. Ouais. Et qu'elle ait la confirmation de dire de ma mère qui était présente lorsque j'ai vu mon avocate la première fois. Louane, quand je suis passée pour Ouana et qu'après j'ai annoncé à Louane que Ouana n'était plus à la maison. Mm-hmm. Une fois à la maison, on s'est pris la tête. D'accord. Elle m'a envoyé en pleine figure. C'est ta faute si Ouana n'est plus là, tu n'aurais jamais dû la donner à la juge. Je t'avais dit que la juge c'était une connasse. Donc, ça m'a fait mal. Effectivement, je me suis remis en question. Mais après, je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas moi qui suis pour quelque chose. Parce que moi, tout ce qu'on m'a demandé de faire, je l'avais fait pour la petite. Je parle pour la petite. Oui, je me rappelle. Le seul truc où c'est que je n'ai pas respecté mon engagement, c'était d'aller voir une thérapeute, d'engager, d'entamer une thérapie. D'accord. C'était un des points critères que je devais respecter. Sans quoi, la petite, elle se faisait placer. Donc, j'ai expliqué à Louane, plus calmement, j'ai pris un temps pour me souffler, et je suis revenue plus posément, je me suis assise sur son lit, et j'ai dit, écoute, on va discuter, je vais t'expliquer deux choses, et je dois te faire écouter quelque chose. Je dis que c'est de ma faute si ta petite soeur n'est plus à la maison. Effectivement, j'ai confié ta sœur à la juge, non pas parce que je ne la voulais plus, mais c'était pour souffler. Maman, tu t'en rappelles, elle n'avait pas la poussette, j'avais que l'écharpe de portage. Donc pour pas que ta sœur ressente ma frustration, ma colère, et que je puisse un peu souffler, j'ai simplement passé la petite à la juge pour qu'elle puisse un peu contrer les dires de tout le monde qui disait n'importe quoi sur ta petite sœur, et sur moi, sur mon comportement. Donc, j'ai fait une erreur qui semblait être juste. Je pensais qu'elle allait me la restituer, elle ne me l'a pas rendue. Maintenant, écoute l'enregistrement. Tu dis que c'est de ma faute. Écoute ce que mon avocate, elle a dit. Donc, Louane s'est calmée. Mon avocate, elle a bien dit comme quoi que, effectivement, la juge, elle a mal compris mon geste. Il y a eu un gros malentendu. Elle a mal compris mon geste, ce qui a engendré le placement de la petite. Donc, Louane, elle m'a dit, ah, donc tu vois bien que ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma faute. Il y a eu un gros malentendu de la part de la juge. Il y a eu un gros malentendu de ma part aussi. Donc maintenant, le mal est fait. Maintenant, il faut qu'on soit tous ensemble pour qu'on puisse récupérer ta sœur dans le plus harmonieux possible et dans le plus calme des choses. Toi, je te demande, voilà, je te demande juste un truc, calme-toi, retourne en cours. Ouais, mais je suis virée. Retourne en cours quand tu le pourras. Calme-toi, t'inquiète pas, le placement à domicile va se faire. Il n'y a personne qui te veut, Louane, plus personne ne te veut. Donc, remets-toi sur le droit chemin. Nous, tu as de la chance parce que nous, on t'ouvre la porte encore. Oui,
on t'ouvre la porte. Moi, j'en doute pas. T'imagines la juge, tu viens, je pense que... comme je lui ai dit, t'imagines la juge, elle vient te dire, Louane, mais tu comprends pas une chose? Parce que tu dis comme quoi que c'est de notre faute si Ouana n'est plus à la maison. Ok, on comprend ta colère. Mais tu ne te remets pas, toi, en question? Tu as vu toutes les conneries que tu fais, Louane? T'as pas peur qu'il y ait des répercussions sur ta petite sœur? Eh bien, rien que pour ça, je ne te rends pas Ouana. Rien que pour ça, je ne rends pas Ouana à tes parents. Ou alors, je rends Ouana à tes parents, mais toi, tu dégages à l'autre bout de la France. Oui. Comment on fait? Comment elle... Bon, après, c'est beaucoup lui dire. Mais donc, elle me dit, ben, je fugue. Votre... Pour elle, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Je reviendrai toujours à la case départ de la maison. Je lui ai même expliqué avec son père quand on était dans le 54. Effectivement, je n'ai jamais changé de numéro de téléphone. J'ai toujours eu le même. Elle a eu de la chance. Et comme je lui ai dit, imaginons que moi et papa, on aurait été encore dans le 54. T'aurais fait comment? Parce que là, t'as fugué. Tu nous as donné rendez-vous à Castellane. Oui, mais on s'est vu. Je voilà. Que, mais il ne faut pas se mentir tous les trois. Et c'est tout. C'est ni mal ni bien. Non, mais attention à ce que les choses soient claires. Il y a 2 ans de ça ou 1 an et demi de ça, le projet vis-à-vis de votre fille, c'était qu'elle soit éloignée, qu'elle soit femme d'accueil, je ne sais quoi. Et voilà. La ZEU, c'était le projet. Hein, de est-ce que vous savez que vous êtes revenu? Ça c'est du désir chez votre fille aînée de retrouver ses parents. Du coup, c'est ni bien ni mal, c'est pas fait. Donc, qu'elle renoue un lien qui a toujours existé, mais qu'elle l'intensifie, c'est bien, c'est pas fait. D'accord, c'est ce qui se passe depuis oui, non, des mais mois ça, et des mois. Je le conçois. Donc, en fait, l'ASE, ils veulent pas se mêler de ce qui se passe avec ouais, Louane. Aujourd'hui, bon, je pense qu'ils ils sont toujours là, puisque vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, Louane, nous ne pouvons pas faire ça. Mais parce que c'est leur prérogative. Mais ils ne sont pas là pour ça. Donc, moi, pour finir, ma position, alors c'est ce que je vous ai dit en demi-mot, à demi-mot tout à l'heure, elle n'a pas changé dans le temps. De ce qu'on s'était dit il y a quelques temps. Ok ? Que les choses soient claires, ça n'a pas changé d'année. Voilà. Donc là-dessus, tout ce que j'écrirai continuera à dire la même chose. Voilà. Que Louane soit ici ou ne soit plus ici. Point. Mais à partir d'un moment, voilà, le travail, nous le faisons là encore aujourd'hui, mais bientôt il va s'arrêter. Pour finir par rapport à ce que vous disiez au centre social, où, et je crois que vous avez raison, Madame Itier, Louane a accepté support, bon, avec ce qu'elle est, hein, parce qu'il a du caractère, hein, là, peut-être qu'un des points, si, parce que ça, moi, c'est pas moi, si elle rentre à la maison, bon, bien sûr, c'est le collège, vous me parliez d'un collège pendant que je suis et le judo. Parce que ça, ça lui plaisait bien, bon, après, elle a fait quelques pendres, mais peut-être que le judo dans votre quartier. Et puis après, bon, voilà, elle reste à la maison. Moi, quand j'ai la haine, quand je suis, je prends. Déjà quand même. Je vais m'isoler et puis je m'en prends personne. Ah, vous voulez dire vous avez votre non, vous avez de toi en fait. Ouais. Je pourrais péter un plan grand ici. Mais elle, elle a plus de 12 ans, donc elle pour se canaliser, mais c'est encore plus compliqué. Je ne veux pas monter un peu plus fort que ça parce que ça risque de dégénérer. Ouais. Non, mais elle, elle a 12 ans, donc comment tu veux qu'elle se canalise tout en sachant qu'elle n'est pas chez ses parents, qu'elle n'a pas été élevée par ses parents, qu'elle est dans une. Dans une communauté, on va dire. Je vais vous dire quelque chose, et j'espère que vous allez le noter. Oui, bon. Je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de ce que je vous ai dit hier, je me suis cité, oui, à la porte, machin, bon, ça c'est un fait. Mais le problème, c'est que, est-ce que je dois m'arrêter là? Ou dois-je voir de non, je suis en train de perdre pied. Moi, je vous dis honnêtement, je suis en train de perdre pied. D'autres choses. Vu qu'il veut évoquer la situation de couple, oui, qui fait aussi partie de la situation familiale, honnêtement, du soutien, j'en ai point de zéro. Pourtant, il y a ta famille qui sont toujours là. Je m'en fous de ma famille. C'est pas eux qui vivent avec moi, c'est pas eux qui couchent avec moi. D'accord? C'est pas avec eux que j'ai fait des gosses. Pas de donc, monsieur, concernant la globalité, je suis épuisée. Depuis qu'on m'a pris... Depuis voilà. Que j'ai accouché, même avant que j'accouche de Louane, il fallait que je gère le comportement de Louane, les conflits qu'elle crée avec son père,
à l'accouchement, quand j'étais à la maternité, parce que j'accouchais à domicile, mais quand je suis allée à la maternité, j'ai pas eu le temps de souffler une seule fois. J'ai pas été au calme un tiers de seconde. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours le père et la fille qui se crêpaient le chignon. C'était très très tendu, même à la maternité. Je rentre au domicile, il y a encore eu des tensions. Ça s'est calmé, avec tant bien que mal, mais avec un peu une grosse crise venant de ma part. Oui, vous disiez, voilà. Je me souviens que c'était donc, dur, compliqué. Depuis qu'on m'a pris Ouana, je tais mes émotions venant de la part de cette pitchoune. Je me considère moi-même, vu qu'on me fait allusion, l'aseu, je me considère comme une mère porteuse, mais pas dans l'illégalité, en tant que légale. Oui, ma fille sert de cobaye, comme les adoptions de place, adoptant, ça revient très cher, et ça devient de plus en plus rare pour être parent adoptif. Donc mes enfants, ma fille, sert de cobaye, en attendant. Ah, vous parlez de la dernière, là. Ouais. Donc moi, du jour au lendemain, je me retrouve sans bébé, sans quelqu'un à qui nourrir mon enfant. Oui. Je dois gérer le problème de Louane, parce que son père, elle écoute, mais sans l'écouter. Oui, en même temps, ça allait mieux. Madame ça allait Huttier, mieux Monsieur Huttier. Vous savez, je suis épuisée. Une question je suis épuisée moralement et physiquement. Ça fait 9 ans bientôt. Ça vous appartient. Non, mais ça fait 9 ans bientôt que je suis dans ce cercle-là. Oui. ASE, placement, machin. Quand je vois autour de moi les parents qui décalquent leur minot, qui les tartent, hein, comme ma voisine d'en face. Ça fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est une longue histoire. Et que moi, en fait, tous les ans, on a le culot, comme récemment l'ASE, ils ont eu le culot de me dire, mais vous savez pourquoi ils vous laissent les prêts, pourquoi la juge, elle vous laisse les sous, même pour Oana, c'est parce que vous en occupez bien de vos enfants. Non. Je vous jure. J'ai l'enregistrement. Non. Je l'ai même dit à mon avocate, je suis tombée sur le cul. Non, moi je suis sur Louane. Alors Louane, il a le droit de. Louane, il a le droit de l'accueillir à la maison. Ouais. Lilou, il a le droit de l'avoir tous les mardis. Le fil rouge, vous y allez également. Le fil rouge. Là, j'ai une vécu au fil rouge. Je me suis juré que. Et Oana, que dalle. Oana, on est limité à l'avoir tous les 15 jours. Toi. Oana, une heure. Toi. Pas moi. Alors, mes droits sont réservés. Alors, je vais vous dire. C'est restreint. Alors, je vais vous dire en quelques secondes, hein, parce que. Bon, mais ça n'appartient qu'à vous. Entendez bien, parce que c'est important ce que vous venez de dire, mais moi là-dessus, je ne peux rien en faire. Vous avez dit une chose importante. Alors, vous parliez de culpabilité. Hein, on me le dit, on me le dit la question. Je te responsable de tout ça. Non, alors, bon. C'est votre choix. L'amitié disait, j'en peux plus, je suis accusé, etc. Donc, parce que moi, ce qui résonne, hein, quand j'entends ça et je vous entends, c'est la question que je vous ai posée. Mais seul vous avez répondu. Moi, j'aimerais pour Louane, mais ça ne m'appartient pas, et ça m'appartient, ça ne m'a jamais appartenu d'ailleurs, hein, mais pour Louane, on dit que je dis ça. Vous allez pouvoir, madame, c'est pour vous, mais je vous dis, contre nous trois, hein, monsieur, c'est monsieur, hein. On parle du couple, mais deux, ça paraît sans autre chose. Mais madame Huttier, alors c'est lourd, hein. C'est vachement dur, hein. Mais si vous ne pouvez pas pour l'instant, pour des bonnes raisons, si vous n'appartenez pas à vous, vous pouvez dire à lui, écoute ma chérie, pour l'instant, j'en peux plus. Non, je ne peux pas me permettre de lui dire ça. Non, mais c'est, voilà, je ne peux pas, parce qu'actuellement, moi, mon ressenti, même si moi, personnellement, je suis épuisée face à tout ce qui se passe. Parce que Louane, elle a besoin de savoir si elle peut s'appuyer sur vous, ou si, en ce moment, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, vous ne pouvez...
Elle doit l'en prendre. Elle le sait déjà qu'on est épuisé. Elle le sait que j'en peux plus, que je risque de péter les plombs déjà par rapport à Ouana. Je dis rien, j'accumule. Hein? Non mais vous savez je vais vous expliquer juste une chose. Pour lui, quand on l'a pris, on a trouvé comme excuse sa chaussure, sa poussette, qui est sale, alors qu'elle avait 2 ans. Je pense que il y a assez de vidéos et de photos qui prouvent comme quoi que Lulu, elle était tout à fait bien. Mais ce moment où c'est qu'effectivement elle n'avait pas de chaussures ni de chaussons, c'est au domicile. Donc, encore une fois, sur le rapport de la juge, même si c'est un copier-coller, il a encore stipulé l'origine du placement de Lulu. Pas de chaussures, pas de poussette, pieds sales. Ça, c'est entre parenthèses. On l'a vu, on a été autorisé à voir Lulu toutes les semaines, la première année. Voilà. La première année, on a été autorisé à voir Lulu tous les mardis pendant 1 heure. Il y a eu un rapport de fait auprès du fil rouge. Ça s'est super bien passé. Bon rapport, tatati, tatata. On passe devant le juge. On nous annonce. Vous voyez la petite tous les 15 jours. Je comprends pas. Et l'année prochaine, on va recommencer à zéro. On la revoit toutes les semaines. On m'a dit non, ne vous inquiétez pas. On nous a dit non, ne vous inquiétez pas, ça va accélérer le processus. Je suis passée au mois de janvier. Je recommence à voir Lulu toutes les semaines. On a perdu 1 année. Je comprends. On ne comprend plus ce qui se passe. Alors, soit il y a un chat noir qui a décidé de foutre la merde dans la famille métier, et du coup, je vais demander, honnêtement, je vais me renseigner. Pour faire ajouter une lettre sur le nom Itché, je vais rajouter un P pour faire Itché, parce que franchement, ça fait 9 ans qu'on est dans la merde. On ne voit pas le bout du tunnel. On l'entreaperçoit, il y a une lueur d'espoir, mais au final, on ne montre pas de blanche, on montre haut les mains. Je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir chez moi à mon domicile, fouiller mon sac, je n'ai rien à faire. Et au final, ça nous retombe constamment sur la gueule. Alors, soit il y a quelque chose qui fait que, soit il y a un gros problème quelque part, qu'il faut vite élucider. Parce que moi, je ne sais plus pas par quel chemin prendre, et je ne sais plus quelle solution obtenir. Je ne sais pas qui est la dernière, c'est, on m'a dit, bon, j'écoute le conseil de mon avocate, la thérapeute. La thérapeute, je l'entame, j'ai rendez-vous prochainement au mois d'avril, donc je la vois une fois par mois pour le moment. Mais est-ce que ça va vraiment donner quelque chose, ou est-ce qu'au final, on va encore me casser du sucre sur le dos et devant moi? C'est ça votre peur. Oui, parce qu'à chaque fois, plutôt que ça me sert. Voilà, à chaque fois, on nous dit, vous faites ça. Voilà, faites ça et ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je comprends. Bon, vous avez fait ça, ça s'est bien passé, mais il faut encore un tout petit peu. Et puis encore un tout petit peu. Au bout d'un moment, j'ai tout fait. Je dois faire quoi maintenant? Non, mais vous savez que même s'il est de la veille, au contraire, il est encore meilleur. Non, voilà. Je pense que vous ne soyez pas malade. Je pense que tout le monde le sait. Oui, bien sûr. Allez-y. Je pense que tout le monde le sait. Les meilleurs. Bonsoir, les titounis. Bon, je reviens du rendez-vous du commissariat. J'avais pas rendez-vous, mais bon, j'ai dû faire un dépôt de plainte. Donc, on est bien toujours le 31 mars, il est 19h54. Je suis rentrée là, maintenant, de chez moi. Donc, en fait, je vous fais un topo.
Bon, vous avez pu entendre l'enregistrement? Voilà, donc en fait, si vous entendez, si vous avez bien entendu, hein, l'entretien aujourd'hui avec le chef de service de Louane, du foyer de Louane, c'était justement pour me dire comme quoi que ce qui était grave, mais sans être grave, hein, c'était que ma fille ait eu son premier rapport sexuel, non pas avec une personne, mais avec deux personnes du foyer. Donc des petits pète-cul, hein. Donc, je suis restée sans voix et outrée. Donc, quand je suis sortie de l'entretien, bien entendu, j'ai pris sur moi. J'ai contacté mon avocate. J'ai demandé ce que je pouvais faire, si je pouvais déposer une plainte ou autre. Donc, on m'a dit que non. Chose que j'ai complètement hallucinée et je pense que comme vous donc pour la plupart d'entre vous ne m'écrivez pas mais pourquoi t'as pas déposé plainte Titoune, tu devrais même pas attendre, porte plainte. Le problème c'est pas ça, c'est qu'en fait là actuellement j'ai été pris entre deux feux. Soit j'écoutais mon cœur et j'allais déposer plainte immédiatement, soit j'écoutais le conseil de mon avocate de la laisser faire et de ne pas déposer plainte. Finalement, j'ai un membre de la famille qui est allé se renseigner au commissariat de Noailles, dans le premier. Parce que vous vous souvenez de la vidéo où c'est que j'avais, je crois que c'est celle-là, mais là j'ai pas d'internet, donc il faut que je regarde. Il va falloir que je voie demain. Je vous avais annoncé comme quoi que la police était venue chez moi. Suite à une énième fugue de Louane, ils étaient venus à mon domicile. Et que ma fille avait annoncé aux forces de l'ordre à mon domicile, je ne veux pas retourner au foyer là-bas, on me touche, il me touche. Vous vous souvenez de ça? Donc, il y a un membre de ma famille qui est allé au commissariat parce que je me suis retrouvée avec une rage dedans. Donc j'ai dit, bon, la priorité, je ne peux pas aller au commissariat déposer plainte. L'avocate, elle m'a dit non, laisse-moi faire. Donc je suis partie à l'école dentaire. Entre-temps, ben, malheureusement, on n'a pas pu me prendre à l'école dentaire parce que voilà, c'est une dent de... C'est une molaire. La molaire, on ne peut pas me l'enlever. Il faut un grand soin, etc. Bref. On m'a appelé et on m'a dit, ben écoute, Laetitia, je me suis renseignée au commissariat, là où c'est que je t'avais accompagnée avec la petite pour déposer plainte. Le problème, c'est que apparemment, ben, il n'y a aucun traçage de votre passage, ni de toi, ni de la petite. Et j'ai dit, comment ça, je comprends pas. Et on m'a dit, non, il n'y a aucun traçage de toi ni de la petite, comme quoi que vous étiez bien au commissariat. Elle me dit, pourtant j'y étais moi aussi, hein, j'ai attendu jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Hein. Il faut que je retrouve cette vidéo demain, donc il va falloir que j'aille à la Wi-Fi ou vite. Parce qu'en fait, quand je me suis présentée finalement au commissariat, là ce soir, La personne qui m'a parlé et qui m'a annoncé comme quoi qu'il n'y avait aucun traçage de mon passage ni de celle de ma fille au commissariat, elle m'a dit, écoute, moi je me suis renseignée à Noailles et directement ils m'ont dit comme quoi que à 12 ans, il n'y a pas de rapport consenti. Comme vous avez pu l'entendre, l'entretien de ce matin avec moi et le chef de service de la petite. Donc, à 12 ans, il n'y a aucun consentement. De 1. De 2, le premier rapport sexuel, il ne peut pas être fait avec deux personnes en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, c'est considéré comme un viol. Donc, je suis partie. Ni une ni deux, avec toujours mon mal dedans. Je suis partie au commissariat
et j'ai déposé une plainte. Donc, là, il y a eu un premier brouillon qui a été fait. Donc, attendez, je vais vous le chercher. J'ai même fait, comment ça s'appelle, un... Ouais, je vais allumer la lumière, là, parce que... J'ai même fait un rapport. Enfin, j'ai tout expliqué à la personne qui m'a entendu. Il faut que j'y retourne justement lundi matin. Parce que comme il n'y a aucun traçage de notre passage, donc en fait, il faut que je retrouve la date de la vidéo. Où c'est que dessus, je vous dis comme quoi que la petite, elle est partie au foyer d'urgence Septem-les-Vallons. C'est le soir même qu'elle est partie. Et il y a la date. Donc, je vous mens pas, il y a la récépissé de déclaration. Donc là, c'est un brouillon, comme elle m'a dit la personne qui m'a entendu. Plainte déposée le 31 mars 2023 sous le numéro PV. Blablabla. Ça, je vous le dirai pas. Alors, ce que je peux vous dire pour l'instant qui a été marqué sur le brouillon, qui d'ailleurs on va devoir le refaire lundi. Donc, ah non, elle s'est trompée sur l'adresse. Bon, c'est pas grave. Alors, sur les faits, ma fille Louane est placée au foyer dans le 11e